CN2, dictée numéro 48 pour le groupe C. La dictée va être lue une première fois en entier. Puis, il faudra écrire la dictée. Chaque partie est répétée deux fois. Puis, il y a un son de clochette. Il faut alors mettre en pause pour avoir le temps de finir d'écrire cette partie. La dictée est ensuite relue en entier. Il faudra de nouveau mettre en pause et prendre quelques minutes pour relire et vérifier ce qui aura été écrit. Enfin, le texte apparaîtra avec un commentaire pour comprendre les pièges et pour que vous puissiez corriger votre texte. CM2, dictée numéro 48, groupe C. Pour faire une bonne fondue, on prend du fromage au lait cru que l'on mélange à un peu de vin blanc et de l'ail. Dictée. Pour faire une bonne fondue, virgule. Pour faire une bonne fondue, virgule. On prend du fromage. On prend du fromage. Au lait cru. Au lait cru. Que l'on mélange, que l'on mélange à un peu de vin blanc, à un peu de vin blanc et de l'ail, point. Et de l'ail, point. Relecture. Pour faire une bonne fondue, virgule, on prend du fromage au lait cru que l'on mélange à un peu de vin blanc et de l'ail. Point. À présent, prends un temps pour relire ta dictée. Vérifie les accords, vérifie qu'on entend les bons sons et vérifie les homophones grammaticaux. Mets en pause quand tu auras vérifié tout cela. Nous nous retrouvons pour la correction. Voici la correction. Donc, pour faire une bonne fondue, on prend. Qui est-ce qui prend? On. Donc cela se termine par un D. Du fromage au lait cru. C'est le lait qui est cru. C'est du masculin, donc on met juste un U. Que l'on mélange. Qui est-ce qui mélange? C'est on. Donc E à la fin. A, il faut faire attention parce que ce n'est pas le verbe avoir. On ne peut pas dire que l'on mélange avait ou aura un peu de vin blanc. Donc c'est bien une préposition, on n'oublie pas l'accent. Peu, il s'agit ici du peu, P-E-U. On peut dire que l'on mélange avec beaucoup de vin blanc. Donc c'est le P-E-U. Et, on dit bien et pas est, donc c'est et.